Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux incliner légèrement ta tête et ensemble nous allons prier, nous allons recommander nos cœurs au Seigneur, demander à Dieu de nous parler, demander à Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu faire dans nos vies ce matin. Élevons ensemble nos voix et d'un commun accord, parlons à notre Dieu et afin de préparer nos cœurs pour que lui nous parle par la suite. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu. Père, nous te rendons la gloire et nous te célébrons. Nous te magnifions pour ce moment que tu as mis à part. Ce moment, Seigneur, que tu permets dans ta présence. Et tu as dit que ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Plusieurs l'ont expérimenté et nous voulons également expérimenter cela afin que cela ne soit pas juste un slogan, cela ne soit pas juste une parole écrite, mais une expérience vécue, Seigneur. Car ta parole est vraie et si les autres l'ont vécue, nous aussi nous avons le droit et pleinement le droit d'en vivre et d'en jouir et d'en bénéficier des fruits, Seigneur, afin que nous soyons des témoins oculaires de l'accomplissement de tes promesses et de la manifestation de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et quelqu'un me dit amen. Amen. Bien, je sais que le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de nous retrouver dans sa présence et c'est pas évident le matin comme ça de se réveiller avec ce froid-là. J'aimerais que tu te détendes un peu. Alléluia. Et que tu te prépares à recevoir la nourriture solide du Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons donc prendre les Saintes Écritures. On va aller un peu rapidement. Nous avons quelques portions des Écritures à lire. Et je vous invite donc à prendre avec moi le livre donc de Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, à partir du verset 19. La Bible dit ceci: l'ange de Dieu qui allait au devant donc le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla et avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer sec, et les eaux formèrent une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Il a rendu leur marche difficile. Je poursuis. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin,
la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Amen. Nous allons prendre un autre texte dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Ou si vous voulez, Lucas, chapitre 8. À partir du verset 41. Jusqu'au verset 56. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était donc pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par l'arrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors va en paix. Va en paix. Et comme il parlait encore, survint de ce chef de la synagogue quelqu'un disant : Ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas. Crois seulement, et elle sera sauvée. Elle sera, non pas ressuscitée, elle sera. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et au père donc, et la mère de l'enfant. Tous pleurèrent, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle dort. Très bien. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. Ou si vous voulez d'une autre version, Tabitha Koumi. Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Et les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. S'il y avait un thème que Dieu a déposé à mon cœur, que j'aimerais donc vous livrer comme message de la part de notre Dieu, c'est briser les limitations. Briser les... Très bien.
Nous sommes dans la chair et nous rencontrons des défis sur la terre. Et ces défis-là peuvent être de tout ordre. Mais il peut arriver que dans la vie d'un enfant de Dieu, ou même dans la vie d'un païen, nous butons à un problème de limitation. Cela ne veut pas dire que tu es forcément possédé, mais ce sont des réalités que tu peux rencontrer sur ton chemin. Alléluia. Qu'est-ce qu'une limitation? Une limitation, c'est le fait donc d'imposer des bornes, de délimiter la sphère d'opération d'une personne. C'est le fait donc d'imposer la capacité de pouvoir t'étendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit déjà? Une limitation, c'est quelque chose qui t'empêche d'aller au-delà. Donc ça peut être une borne, ça peut être aussi une règle, ça peut être aussi ça peut être quelque chose de physique comme quelque chose de spirituel. Et nous voyons que le monde aujourd'hui est fait donc de limitations. Il y a des limitations de vitesse, mais il y a aussi beaucoup d'autres sortes de limitations. Alléluia. En l'occurrence, nous venons de voir par exemple trois exemples sur lesquels nous allons donc nous baser, et nous allons donc parler en réalité de trois types de limitations. Alléluia. La première limitation, c'est la limitation que Dieu lui-même a imposée. Alléluia. Car Dieu lui-même peut imposer une limitation. Alors, les limitations que Dieu impose peuvent être d'ordre spirituel, mais peuvent être d'ordre naturel. Alléluia. Et quand nous prenons donc le premier texte dans Exode que nous venons de lire, nous voyons que Dieu avait imposé une limitation naturelle, à savoir la mer Rouge. C'est Dieu lui-même qui l'a créé, c'est Dieu lui-même qui a positionné cela là, mais cela est devenu un obstacle au passage du peuple d'Israël. Alléluia. Alors, juste pour situer un peu donc le cadre donc de cette histoire, cela donc nous ramène à après donc le passage de Abraham en Égypte, et n'ayant pas donc écouté donc la voix de Dieu, Dieu va donc prononcer une sentence pour dire que ta descendance ira en esclavage donc en Égypte. Puisque tu ne m'as pas écouté, que tu as cherché tes propres voies, ta descendance donc ira en esclavage en Égypte. Et c'est ce qui donc s'est produit. Alors, ils sont allés en Égypte. Au début, ils étaient allés d'abord pour la nourriture. Et après, ils se sont transformés en esclaves parce qu'ils étaient donc des étrangers. Alors, ce qui s'est passé, ils ont été soumis pendant 400 ans à l'esclavage. Donc imaginez-vous, pendant 400 ans, ils avaient perdu donc la vie de Dieu, ils avaient perdu donc la foi, ils avaient perdu beaucoup de choses. Ils avaient perdu l'adoration. Alors ils étaient quasiment devenus païens. Ils ont commencé donc à s'accoutumer, ils ont commencé donc à découvrir ou voir, accepter les autres dieux. Et vous savez bien qu'en en Égypte, il y a une multitude de dieux. Il y a un dieu pour chaque chose. Vous voyez? Et donc, quand les temps ont été accomplis et que Dieu a décidé d'aller libérer son peuple, il va donc susciter une personne, à la personne de Moïse. Moïse qui, lui, est né en Égypte comme tous les autres enfants, mais a eu une histoire particulière parce qu'il est né à une période où le peuple d'Israël a commencé à s'étendre, a commencé à grandir,
a commencé à se multiplier au point qu'ils sont devenus, ils devenaient donc une force économique, une force politique, une force sociale qui pouvait donc changer la donne et modifier le fonctionnement au sein de l'Égypte. Alors, Pharaon, qui était juste un titre, donc, si vous voulez, le président d'alors va décider de réduire l'influence donc de, du peuple d'Israël au niveau de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider donc de faire tuer tous les enfants mâles. Et c'est dans ce moment difficile, c'est dans cette période difficile que va naître Moïse. Moïse, à qui donc Dieu va inspirer une. Dieu va plutôt parler à sa maman pour donner une instruction particulière pour sauver cet enfant. Elle a mis donc Moïse dans une cruche qu'elle a posée donc sur le Nil. Et sur le Nil, l'eau a commencé à emporter l'enfant. Mais comme vous savez, le bois sec sur l'eau flotte toujours. Alors, Moïse a été emporté, et alors que la famille donc de les mesdemoiselles de Pharaon ont découvert l'enfant, ils vont donc récupérer l'enfant. C'est ce qui donc le nom Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Amen. Alors, ayant grandi, il va découvrir qu'il y avait une injustice contre son peuple. Vous savez, quand tu commences à grandir, si tu n'arrives pas à découvrir les injustices qu'il y a dans ta famille, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que soit tu es complètement coupé de ta racine, ou soit tu es complètement perdu. C'est-à-dire que tu ne sais rien du tout. Or, la majeure partie de ce qui nous arrive, bien souvent, dotit leur source de nos origines. Vous allez voir qu'il y a des autels familiales. Vous allez voir qu'il y a des esprits qui dominent dans les familles. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens feignent d'ignorer cette réalité. Et malheureusement, quand tu ignores, tu subis. Mais quand tu l'identifies, quand tu décides de prendre la résolution de l'affronter, et que tu arrives à vaincre cela, non seulement toi tu es libéré, ta progéniture est libérée, mais aussi ta famille sera affranchie. Mais alors, donc, c'est cette pensée qui a animé Moïse, mais sauf qu'il n'était pas encore équipé, il n'était pas encore prêt. Il a voulu faire avec les armes qu'il avait en son temps, qui étaient à sa disposition. Alors, il va donc s'élever et il va frapper donc cet Égyptien-là qui était en train de fouetter un de leurs ses frères. Et ayant vu cela, connaissant le châtiment qui était réservé à celui qui donnait la mort, vous savez que l'œil pour œil, dent pour dent, cette réalité était donc connue de tous. Alors il fallait qu'il sauve sa peau. Il va donc s'enfuir dans le désert. Alors Dieu, ayant vu qu'il avait ce cœur-là, Dieu va donc porter un regard favorable sur lui. Et Dieu va décider de lui donner les armes qui lui permettront de réaliser cette tâche qu'il avait tant chéri dans son cœur. Alors Dieu, je vous épargne des détails, Dieu va lui faire une certaine démonstration pour le convaincre de savoir à qui il avait affaire. Mais la dernière chose, vous voyez, que Moïse avait encore comme problème, c'est qu'il a vu ce que Dieu était capable de faire, mais il ne savait pas qui lui parlait. Alors il va lui demander, mais quand tu vas m'envoyer vers eux, je leur dis, je viens au nom de qui? Alors Dieu va leur dire ceci, il va lui dire, écoute, quand tu vas partir, dis-leur que je viens au nom de celui qui, je viens au nom de celui qui, je ne sais pas si tu me suis, il dit, je m'appelle, je suis. Dieu a fait exprès. Il a fait exprès. Généralement, lorsqu'on... Vous savez, c'est une erreur même dans la langue française de dire « je suis ». C'est toujours généralement suivi de quelque chose. Vrai ou faux? Sa phrase était en réalité incomplète. Mais en réalité, elle était complète. Parce que
Dans le mot hébraïque, c'est Yéhé. Cela veut dire je suis. Elle a la même interprétation que je serai et elle a la même interprétation que j'étais. Ça veut dire quoi? Il était en train de dire à Moïse qu'il s'inscrit dans le passé, il s'inscrit dans le présent et il s'inscrit dans le futur. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est celui qui ne change pas. Mais bien aimé, je voudrais donc juste ouvrir une petite parenthèse pour dire que quand Dieu dit « je suis », il est très important de comprendre que le « je suis », ça parle d'abord de sa personne. Alléluia. Il se définit lui-même. Mais en même temps, il nous enseigne à nous d'apprendre à nous définir. Parce que nous nous voyons en lui et nous sommes sortis de lui. C'est pour ça qu'on parle de « ish », qui veut dire sorti de lui, qui veut dire homme, ish. Et l'homme, la femme étant sortie de l'homme, c'est là donc isha, ish, isha. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que là, quand tu traces la source, tu reviens toujours à lui. Et c'est pourquoi quand tu emploies chaque fois le mot Jésus, c'est pourquoi d'ailleurs, je voudrais donc, avant de clôturer cette parenthèse, il faut faire toujours la différence entre ton identité et les circonstances. Alléluia. Il faut toujours faire une différence nette entre ton identité et les circonstances ou les événements du temps. Il est très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis « je suis », tout ce qui suit après que tu dis se met à te chercher. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque tu dis « je suis », tout ce qui vient après que tu ajoutes, commence à te chercher. Si tu dis « je suis riche », ça veut dire que tu es en train de convoquer la richesse pour que la richesse trouve ton adresse. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Cela veut aussi dire que lorsque tu dis « je suis » et que tu ajoutes quelque chose de mauvais, les mauvaises choses vont se rassembler pour aller te trouver. Parce que ce sont ces mauvaises choses-là que tu identifies. C'est pourquoi tu vois que il y a des personnes qui s'identifient à leurs problèmes et leurs problèmes ne finissent jamais. Et ce problème-là, quand tu lui demandes, il y a quoi? Il dit, c'est mon problème. Ton maître sait que je suis malade. Tu vas être comme ça parce que tu as convoqué la maladie. Chaque fois que tu emploies le mot « je suis », dis-toi que la chose qui va suivre, tu es en train de les convoquer. Tu es en train de les appeler. Voici pourquoi lorsque Jésus se définissait, il n'a jamais dit de mots négatifs sur lui. Il dit « je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. » Il est très important de comprendre cela parce que si tu ne comprends pas cela, tu vas te mettre à prendre des mauvaises choses pour appeler des mauvaises choses sur ta vie. Et pourquoi je dois faire le distinguo? Il faut faire le distinguo parce que une situation est arrivée, mais ce n'est pas toi. C'est la situation qui est arrivée. Or, une situation est faite pour arriver et pas passer. Maintenant, quand tu t'identifies à la chose, c'est comme si tu l'adoptais. Donc, tu l'acceptes. Alors, elle va durer. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi ce que j'ai dit. Alors, il faut faire très attention à ce que nous disons. Bien, je voudrais donc fermer cette parenthèse et poursuivre pour dire quoi. Lorsque le Seigneur a frappé donc des 10 plaies, donc le peuple donc d'Égypte, et que Pharaon ayant endurci son cœur, l'Éternel ayant endurci son cœur et finalement accepté de les laisser partir, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller donc à la terre promise, en route, ils vont se rendre compte que, en réalité, lui qui était leur maître avant, il n'avait pas digéré cette affaire. Je voulais te dire que lorsque Jésus te sauve et te délivre, il y a des démons qui n'ont pas digéré ta délivrance. Il y a des esprits de famille qui n'ont pas digéré que toi, tu sortes du lot. Alors chaque fois, vous allez voir que dans l'impression qu'il y a eu comme une oppression.
Il y a comme une oppression. Et on a vu qu'ils ont commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, au début, ils avançaient peut-être tranquillement. Ils se disaient, oui, on avançait, tout va bien. Mais arrivé un moment, il se trouve qu'ils vont arriver devant une situation qui va être pour une limitation. Mais cette limitation était imposée par Dieu. Parce que c'était la mer Rouge. Or, la mer Rouge, c'est Dieu qui l'a créée et c'est Dieu qui l'a mis dans son lit. Alors, cette limitation-là, voilà, poser un problème. Et si vous vous souvenez bien, cela a suscité beaucoup de murmures. Certains même ont commencé à dire à Moïse, mais il était mieux que tu nous laisses l'autre côté. L'autre côté même, on vivait mieux. Tu nous as envoyé ici, non seulement on est dans le désert, mais de deux, voici la mer Rouge, on va où? Il n'y a pas de chemin pour bifurquer. Est-ce qu'on rebourse ce chemin? Alors ils ont commencé à se poser toutes ces questions. Ils ont commencé à acculer Moïse. Or vous savez que Moïse était quelqu'un qui avait une difficulté de parole. C'était quelqu'un qui bégayait. Et donc, vous savez, ceux qui bégayaient, quand tu leur mets la pression, eux, ça, c'est au quart de tour, hein? Vous voyez? Alors, c'est ce qui d'ailleurs a fait que lorsque il a reçu l'instruction de Dieu de parler, par exemple, si vous remarquez, de parler au rocher. D'ailleurs, le rocher était un miracle. Le rocher des âges. Alléluia. La Bible dit qu'il les accompagnait durant tout leur trajet. Quel est ce rocher qui se déplace avec les gens? Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est capable de faire ça. Alléluia. Ah, j'ai envie d'aller en profondeur, mais on a des choses à se dire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu m'a dit que je dois te dire. Alléluia. Alors, voici donc Moïse va se trouver en face de la mer Rouge et avec lui tout le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait la pression sur lui. Alors il va lever simplement la voix. Je voulais dire à quelqu'un, il peut arriver que tu te trouves devant des situations difficiles. Il peut arriver que ce soit quelque chose de naturel, imposé. Mais je voulais te dire une chose. Si seulement tu lèves la voix vers ton Dieu, il fera un chemin. Dieu lui-même va se déroger à sa propre règle. Il établit une règle. Il met l'eau. Mais il décide lui-même de frayer un chemin au milieu de l'eau. Moi, je n'ai jamais vu ça. Avez-vous déjà vu une mer où on fraye au milieu un passage? Je n'ai jamais vu ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des situations, il n'y a que Dieu seul qui te fera passer. Quand tu vas commencer à regarder cette limitation, ces choses qui te freinent, si tu n'es pas arrivé à la conclusion qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te sortir de là, c'est que tu n'as pas encore compris. Frère, il n'y avait pas de bateau. Ils étaient en train de marcher dans le désert. Ils n'avaient pas de bateau. Il n'y avait rien du tout. Rien pour embarquer. Et tout ce peuple derrière, que faire? Dieu lui dit, étends juste ta main. Vous parlez donc de briser les limitations, c'est aussi vous parler du Dieu qui brise les limites. Alléluia. Vous savez, les limitations sont aussi de tout ordre. Il y a des familles qui sont sous embargo. Ils ont imposé des limites. Ils ont dit, vous n'allez pas franchir tel cap. Même financièrement, ça peut être un embargo. Et vous allez voir que dans les familles, ils n'atteignent jamais des caps où ils peuvent construire des grandes choses. Parce qu'on a l'impression que chacun a juste de quoi manger et dormir. Et payer les factures, c'est tout. Il y a des familles
qui sont sous embargo, et je sais de quoi je parle. Un embargo de tout ordre. Malheureusement, le diable par moments a aveuglé certains. De sorte que souvent tu peux ne pas percevoir qu'il y a une limitation quelque part. Je ne sais pas. Oui, pasteur Teddy, et vous pouvez venir, Amisien. Juste pour illustrer quelque chose. Venez, s'il vous plaît. Vous voyez, lui se met là. Pasteur Teddy, tu peux venir vers ici. Vous voyez, regardez, je suis au milieu. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Vrai ou faux? Souvent, on a l'impression que là, on est libre. Va un peu plus loin. Bon, essaie de te mettre un peu là. Voilà. Je peux venir maintenant là, je peux venir là, je peux plus bouger, vrai ou faux? Mais on oublie qu'il y a encore la limitation. Vrai ou faux? Et tu as l'impression que souvent, le peu que tu as, tu es tellement fier de ça. En réalité, ils ont posé une autre limite. Ils ont dit, bon, on va lui laisser un peu, on va lâcher un peu du laisse. Or, la Bible dit que tout est possible à celui qui... Mais d'où vient cette limitation? Soyez bénis, mes amis. Merci. D'où vient cette limitation? Et le diable, ce qui fait que par moment, tu as l'impression que... Et tu as l'impression que tu avances, en réalité, tu fais du statu quo. Tu ne bouges pas. Quelqu'un pouvait dire que, vous savez, il y a des gens qui sont en prison. Et vous savez, dans les prisons, il y a des petites prisons, des petites salles en prison pour ceux qui sont des gros criminels, enfin, des criminels. Et puis pour les criminels riches, il y a des grandes cellules dans lesquelles ils vivent. Et ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'aise ou beaucoup plus libres que les autres. Mais tous sont en prison. Et tous sont en prison, maman. Alléluia. Alors, Dieu va étendre sa main puissante et va frayer un chemin dans la mer rouge. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit qu'ils sont passés. Je suis venu dire à quelqu'un que la limitation qui t'avait été imposée, tu vas traverser cela. Alléluia. Je ne sais pas de quelle limitation il s'agit. Est-ce une limitation financière? Est-ce une limitation dans tes réalisations? Oh bien-aimé, j'ai vu des gens qui ont commencé à construire, mais ils sont restés à la fondation. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent plus avancer. J'ai vu des gens j'ai vu des gens dans les familles ou même dans des villages. Sachez qu'il peut y avoir des limitations imposées même dans les familles, dans les villages, dans des villes et dans des régions. J'ai vu, je connais une ville, et dans cette ville-là, les démons ou les mystiques ou les sorciers avaient imposé cette limitation que personne ne pouvait construire un immeuble. Tous ceux qui ont essayé, qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et même dans nos familles bien-aimées africaines, c'est pire. Lorsque tu commences à faire quelque chose, on dit, ah bon? Ah, c'est toi qui vas dire, c'est toi qui es capable de faire ça? On va voir. Et ils ont le riz jaune, ils te voient, ils sourient. Mais dans son cœur, il est prêt à te poignarder. Ils sont prêts à prendre tes cheveux pour aller faire des incantations. Ils sont prêts à prendre tes photos pour aller faire des incantations. Ils sont prêts à aller même déféquer même devant ta maison. On a vu des gens, ils vont balayer pour verser devant la porte des gens. Comme si toute leur misère, ils veulent mettre ça devant ta porte. Bien-aimé, il y a des choses que peut-être nous négligeons, mais ce sont des réalités. Et nous devons prendre conscience de ces choses-là.
Alléluia. Alors, Moïse est passé avec le peuple. Mais quand Moïse est passé avec le peuple, la Bible dit qu'ils ont voulu essayer. Je voudrais annoncer à quelqu'un que ceux qui vont essayer à partir d'aujourd'hui, je suis venu t'annoncer cela. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Mais je lève un embargo contre tous ceux qui vont essayer de se lever contre toi. Rien que pour te voir détruit, rien que pour te voir échouer, rien que pour te voir mourir avant ton temps. La Bible dit qu'ils ont essayé de le suivre. Mais ce qui t'a fait passer, c'est ce qui va les tuer. Alléluia. Le passage par lequel tu es passé et Dieu t'a fait passer, ce même passage, ils vont vouloir l'emprunter. Oh, c'est le chemin de leur fin. Oh, est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. En cette année du ciel ouvert, quand le ciel est ouvert, il y a des mouvements entre le ciel et la terre. Et la réalité, c'est que les anges montent et ils descendent. Et parmi les anges, il y a l'ange Michel. Enfin, l'ange Michel, vous comprenez ce que je dis? Lui, il combat. Alléluia. Il combat le Léviathan. Alors, deuxième point que nous allons voir ici et que nous allons enchaîner aussi avec le troisième point, il s'agit donc de la fille de Jairus, quelqu'un donc de la synagogue, donc un pasteur, d'accord, qui servait dans une église, donc une synagogue, parce qu'une synagogue, c'est une église. Et ce monsieur qui était dans la maison de Dieu, qui servait, va connaître un problème. Sa fille, qui avait 12 ans, le diable va décider de lui imposer une mort précoce. La limitation par mort précoce. Et quand je parle de mort précoce, ça peut être dans tes affaires. Tu démarres quelque chose, ça meurt vite, c'est détruit vite, ça ne va pas jusqu'à son terme. Alors il va prendre la bonne décision. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque les situations arrivent, prends les bonnes décisions. Il va décider d'aller voir Jésus. Souvent, tu accuses tous ceux qui sont autour de toi. Ça peut être sous le coup de l'émotion, peut-être pour évacuer un peu ton émotion. Mais arrivé un moment, assieds-toi. Assieds-toi. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'aller voir Jésus. Et il arrive, la Bible dit, il se jette aux pieds du Seigneur. La limitation avait frappé sa fille. Imaginez-vous, une enfant de 12 ans. Le diable avait décidé d'écourter son séjour, d'empêcher que le plan de Dieu se réalise. Elle n'était même pas encore majeure. Ça veut dire que tout le plan que Dieu avait écrit était encore en suspens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va décider de partir voir cette fille, de se rendre donc à la maison de Jairus. Mais en route, un autre 12 ans va se présenter. Alléluia. Un autre 12 ans va se présenter. Voici une dame qui, elle, a été imposée une limitation. La limitation de connaître la santé. On l'avait limité à vivre dans cette vie de maladie tout son temps. Le traîner une maladie pendant 12 ans. Et peut-être même que les démons avaient prévu qu'elle puisse vivre toute sa vie avec ça. Donc, il y a deux choses. Il y a la limitation par rapport à quelque chose que le diable veut arrêter de façon précoce. Et il y a la limitation de sorte à ce que tu accèdes à quelque chose de bien. Tu accèdes à la santé, tu accèdes à la stabilité, tu accèdes... Regardez cette dame, la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Dites-moi,
quand elle a dépensé tous ses biens, elle pouvait faire quoi d'autre en plus? Puisqu'elle n'a plus rien. Elle pouvait même plus s'occuper de sa maison. Elle pouvait même plus construire. Elle pouvait même plus peut-être faire ses offrandes dans la maison de Dieu. Elle pouvait même plus soutenir l'œuvre de Dieu. Elle pouvait rien faire parce que la Bible dit qu'elle a dépensé tout son bien. Après tout, il reste quoi? Rien. Et vous savez, souvent le diable crée comme ça des limitations pour nous amener à dilapider tout ce que Dieu met dans nos mains. Et tu ne sais même pas où va ton argent. Tu ne sais même pas dans quoi. Il peut arriver des moments où lorsque tu te rends compte que tu reçois un peu d'argent, tu as l'impression que c'est là que tous les problèmes, on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'il y a des démons qui sont là rien que pour engloutir ce que Dieu met dans tes mains. Afin que ton état reste pareil. Et que tu ne sois pas capable de réaliser quelque chose sur de long terme. Quelque chose qui va durer. Alors ils ont imposé donc à cette femme de transporter un problème pendant 12 ans. Mais cette fois-ci, la Bible dit, ce n'est pas Jésus qui est allé vers cette femme, mais elle est allée vers Jésus également. Mais cette fois-ci, elle est partie vers Jésus avec une attente. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais le toucher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'elle a touché le bord du vêtement, le miracle a été opéré. Et Jésus a commencé à chercher. Vous savez, il peut arriver par moments que Dieu pose la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est encore possible de toucher le cœur du Seigneur. Il est encore possible de toucher le cœur du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais il est encore possible de toucher le cœur de Dieu pour que Dieu se retourne pour ta situation. Parce qu'en cette année du ciel ouvert, tu dois aussi voir la gloire de Dieu. Elle n'est pas réservée pour une catégorie de personnes, mais elle est réservée pour son peuple. Et donc, la Bible dit que la femme a touché le cœur, elle a touché donc le vêtement du Seigneur Jésus. Et ce qui me plaît, la Bible rapporte que aussitôt la solution s'est produite. Donc la première limitation, si nous reprenons, c'est la limitation naturelle ou les limitations imposées par Dieu. Deuxième limitation, ce sont les limitations imposées par des démons. Alléluia. Parce que vous savez que l'esprit de mort est un démon. Vous le savez. Et la Bible dit par la suite que elle a transporté un problème toute sa vie. Peut-être qu'elle s'habillait bien au quartier. Peut-être qu'elle était toute belle. Elle vivait, on la considérait dans sa société. Mais elle avait un problème. Au même titre que Naaman, qui lui aussi était respecté, mais il traînait un problème. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qui a duré dans ta vie? Qu'est-ce qui dure dans ta vie? Qu'est-ce qui existe depuis et n'a pas encore été résolu? Je vous disais tantôt que parler de briser les limitations, c'est aussi vous parler du Dieu qui brise les limitations. Parce que c'est lui qui a fait cela. Il a fait cela avec Moïse. Il a fait cela donc pour la fille de Jairus, parce qu'au final, lorsqu'il s'est rendu là-bas, les gens étaient en train de pleurer. Vous voyez, quand les situations arrivent, les gens sont en train de se lamenter, ils sont en train de prier, en train de pleurer, pardon. Mais la Bible dit, il a mis tout le monde dehors, il a mis tous les pleureurs dehors. Il y a des fois, mets les pleureurs dehors, alléluia. Mets les pleureurs dehors. C'est que quand tu les vois, c'est comme s'ils font un funérail chaque fois pour toi. Oh, on te connaissait avant. Oh, vraiment, mais maintenant, rien. Comment tu es devenu? Mon bien-aimé, mets toutes ces personnes dehors. Parce que tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus est entré dans cette pièce où la fille de Jairus était, Jésus est rentré avec les gens qui avaient la foi comme lui.
Jésus est entré avec les gens qui avaient cette compréhension des choses comme lui. Jésus est entré avec qui? Il est entré avec Pierre, il est entré avec Jean. Il est entré avec les gens qui comprenaient la foi. Il y a des fois, pour qu'un problème, pour qu'une porte soit ouverte, il faut traîner avec des gens qui te comprennent, qui vont te booster dans la foi. Alors, ils vont donc justement se rendre dans cette chambre-là, mais à cause de ce que même Jaïrus, lui aussi était un enfant de la maison de Dieu, alors qu'il était rentré. Mais la Bible dit que quand il a vu ce que Jésus a accompli, il était étonné. Je me pose la question, Jaïrus, quel évangile as-tu reçu? Tu ne connaissais pas Jésus ou quoi? Il rentre dans ta situation et toi tu es étonné de ce qu'il fait. Ça veut dire que Jaïrus n'avait jamais vu ça au préalable. Il avait appris que Jésus est capable de, mais il n'avait pas vu Jésus est capable de. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu as appris que Jésus fait des choses, mais tu seras l'objet. Ah, tu seras l'objet. Tu seras l'objet, tu seras le témoin oculaire. Et ce jour-là, Jaïrus était en train de voir une manifestation du Fils de l'homme tel qu'il n'avait jamais vu, il n'avait jamais entendu. Quelle chose extraordinaire. Il dit, jeune fille, lève-toi. Ah. Il y a des choses, vraiment, souvent le Seigneur, il m'étonne. Alléluia. Au moment où nous autres, qui sommes dans la chair, lorsque quelqu'un est possédé, mais on dit, sors, on va prier pendant des heures par moment pour ça. Il dit, lève-toi. Ah, Jésus, je voulais te dire que les choses compliquées pour toi sont faciles pour lui. Alléluia. Lui, il ne perd pas le temps. Il dit, lève-toi. Parce que le problème, c'est que les hommes voyaient la mort. Jésus voyait qu'elle dormait. Cela dépend donc de la perception que tu as du problème. Cela dépend donc de l'approche que tu as. Jésus voit quelqu'un qui dort, les autres voient quelqu'un qui est mort. Eux, ils sont en train de pleurer. Jésus voit quelqu'un qui dort, qu'il va réveiller. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même dimension. Alléluia. Vous savez, souvent ce qui arrive, c'est quoi? Lorsqu'il y a une situation qui arrive, le mot que tu emploies est important pour soit amener Dieu à agir rapidement ou à faire perdurer ton problème. Et cela dépend donc de la perception que nous avons du problème. Jésus arrive et il dit, elle dort. Je suis sûr que les gens ont dû dire, mais le Seigneur, il raconte quoi? De quoi parle le sujet? On dit qu'il est mort, lui, il parle de dormir. Je voulais te dire que toutes les situations qui vont t'arriver, il faut les regarder avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Il ne faut pas les regarder avec les choses charnelles. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues pour mourir. Il y a des choses qui ont simplement été attaquées, mais qui n'ont pas été prévues pour être arrêtées. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit que quand Jésus a vu, quand il a entendu, il n'était même pas encore arrivé là-bas. La nouvelle est venue en route. Il dit, elle dort. Mais en même temps, je réfléchis et je me dis, si Jésus avait dit effectivement qu'elle était morte, c'était fini. Regardez le même scénario, il a fait également pour Lazare. On vient trouver Jésus et on lui dit, si seulement tu aurais été là, il ne serait pas mort. Il dit, il dort. Il dort. Alors que scientifiquement, il était en putréfaction. Scientifiquement et humainement parlant, il était complètement en train d'être décomposé. Mais l'un des miracles, c'est que Jésus reconstitue même ce qui est décomposé. Ah. Jésus reconstitue le corps de Lazare qui était en putréfaction. Sa parole est toute puissante. Alléluia. Et vous savez, et c'est là que on va donc chuter, étendre ses limites est quelque chose d'important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que nous devons gagner des territoires. Nous devons nous déployer. Nous devons impacter. Nous devons aller de l'avant. Nous devons donc manifester la vie de Dieu. Et manifester la vie de Dieu, c'est aussi
se déployer. Alléluia. Il a dit cultiver et garder, mais multiplier et remplissez la terre. Quand on parle de multiplier, c'est multiplier le modèle que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une intelligence dans la création des entreprises. Il faut que tu sois capable de les multiplier. Dieu t'a donné l'intelligence dans les sciences, que tu sois capable de multiplier. Dieu t'a donné l'intelligence dans les affaires, que tu sois capable de les multiplier. Que tout ce que Dieu te donne, si tu construis des maisons, il faut que tu sois capable de multiplier. Et la limitation, en réalité, c'est nous empêcher d'accomplir le fait de cette bénédiction que Dieu a prononcée sur l'homme, de se multiplier. Et non seulement il n'a pas arrêté là, il dit multipliez-vous et remplissez. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle limitation tu as, mais même Jabez lui-même, il a également eu cette prière. Dans 1 Chronique 4, verset 10, vous allez lire, il dit étends mes limites, Seigneur, étends mes limites. Parce qu'il sait, il n'y a que Dieu seul qui est capable d'étendre nos limites. Toi, tu as aussi la possibilité de contribuer. Mais la finalité qui va étendre tes limites, c'est la main de Dieu. Alléluia. Et Jabez pouvait dire, étends mes limites. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous voyez? Dieu veut que nos limites puissent être repoussées. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et celui qui est capable de manifester ces choses, c'est notre Dieu, en la personne de J-E-S-U-S. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je suis juste venu t'annoncer que les trois limitations vont sauter dans ta vie. Les limitations naturelles que Dieu avait imposées vont quitter ta vie. Dieu va te faire passer. Première. Deuxième limitation qui va sauter, c'est une limitation qui est imposée pour rendre les choses précoces dans ta vie. Vous voyez, il y a des choses, Dieu te bénit. Et c'est l'histoire que nous avons vue tout à l'heure, la fille de Jairus. Elle atteint 12 ans. Et à 12 ans, à un âge précoce, le diable voulait arrêter sa course. Mais lorsque le diable a voulu arrêter, Jésus a voulu mettre virgule. Alléluia. Elle a continué sa vie jusqu'à ce qu'elle vieillisse et que le temps soit arrivé qu'elle aille dans le sein d'Abraham. Et la troisième limitation, c'est la limitation qui t'ont empêché de retrouver une vie normale, entraînant quelque chose sur des années. Je voudrais déclarer que ces trois choses vont prendre fin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est perdu dans ta vie, mais ces trois choses vont prendre fin. Au nom de... Est-ce que tu peux te lever avec moi et nous allons prier le Seigneur et nous allons parler à Dieu. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves. Est-ce quelque chose que Dieu avait commencé et que le diable a écourté dans ta vie? Est-ce une situation qui perdure? Ou est-ce une limitation qui t'a été imposée par des démons, ou qui fait que tu sens que tu approches du but? Tu sens que Dieu t'a donné cette chose-là. Souvent même, tu es sous le point de vouloir toucher. Mais tu es comme en face donc d'un aquarium où il y a un vitrage qui t'empêche de toucher. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ta vie, mais je voudrais dire que ton Dieu est sur le point d'enlever ces choses ce matin même. Si tu crois à cela, alors tu verras ces choses, ces trois choses se réaliser dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et tu peux parler à ton Dieu? Tu peux parler à ton Dieu. Thank you.
Alléluia. Alléluia. Matin, ton Dieu veut affranchir, veut t'affranchir de cette limitation. Il veut t'affranchir de cette limitation. Il veut t'affranchir de cette limitation. Et je voudrais déclarer au nom de Jésus que tout ce que le diable a voulu écourter comme la vie de la fille de Jairus, tout ce que Dieu avait semé dans ta vie, tout ce que Dieu est en train de construire, que le diable a voulu freiner. Bien-aimé, ce matin, ton Dieu veut prolonger ces choses. Ton Dieu veut prolonger ces choses. Et ce que le diable avait réussi à atteindre, ton Dieu veut ressusciter ces choses dans ta vie. Ton Dieu veut ressusciter ces choses dans ta vie. Car ce n'était pas le temps que cela s'arrête. Ce n'était pas le temps que cette affaire s'arrête. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. Et cette fois-ci, tu vas attaquer. Tu vas attaquer toutes les œuvres des ténèbres qui t'ont limité. Tu vas au nom de Jésus, en clapant les mains, tu vas prier. Et tu vas t'attaquer à toute forme de limitation. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu as vécu. Mais ce matin, ton Dieu veut repousser des limites. Il veut étendre des limites, comme il a fait pour Jabez. Mais il veut aussi te faire expérimenter qu'il est capable de frayer un chemin. Là où tu pensais que les choses n'étaient plus possibles. Il a frayé un chemin pour Israël dans la mer Rouge, alors qu'il n'y avait plus de passage. Et là où tu étais, si tu étais arrivé dans une situation où tu as l'impression que tu avais le dos au mur, que tu ne savais plus que faire, ton Dieu ouvre la porte ce matin pour toi. Il frayera un chemin. Il frayera un chemin. Il y a de l'espoir en lui seul. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je voudrais annoncer à quelqu'un la troisième chose qu'il a fait dans cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans. S'il y avait un problème qui traînait dans ta vie, une maladie, une limitation, mon Dieu te délivre ce matin. Et sa main vient sur toi, son esprit vient sur toi. Oh,
au nom de Jésus. Tout embargo satanique est ôté de ta vie. Toute parole qui avait des effets sur ta vie est ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. Tu as l'impression que tout ce que tu faisais, rien n'aboutissait. Mais je suis venu t'annoncer que Jésus ôte ce matin ce qui était comme une limitation qui t'était imposée. Il ôte cette limitation. Et dans les jours qui arrivent, tu verras les choses se décanter. Tu verras les choses s'accélérer. Parce que Jésus a décidé de t'y mettre sa main et de te montrer sa gloire. Et de te montrer sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer?